Non, mais on a été loin de vous pendant quelques minutes et on est heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver pour écouter des questions, pour écouter des... Qu'est-ce qui se passe encore, là? Oh, monsieur Thierry Roland, je suis heureux de vous rencontrer aux Grosses Têtes, je vous ai cherché partout. Voilà. Regardez, voilà. Les financiers du football ont crevé mon ballon. Regardez ce qu'ils ont fait de mes illusions. Non, non, mais attendez, monsieur. Je vous connais pas, je vous ai jamais vu, vous faites partie de quel club? Oh non, monsieur, moi je suis le footballeur anonyme, le joueur sans nom, la victime innocente des magouilles sportives. Et je suis venu m'immoler devant vous, en signe de protestation, vous, le pape des retransmissions du football télévisé. Je vais mourir, Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? Le directeur de mon club a mis du cyanure dans mon crampon depuis qu'on s'est fait virer de la coupe. Je vais mourir. Non, vous n'allez pas faire ça. Si, tout à fait, Thierry. Non. Si. Non. Si, je vais le faire. Je vais vous dire. J'ai trop pris de coups de pied au but depuis que je suis footballeur. Et comme dit mon ami Pascal Sevran, je suis prêt à tout pour protéger mes arrières. Non, vous pouvez pas. Mais, non. Vous ne pouvez pas. Quoi qu'il se soit passé, oui. Le football a encore de beaux jours devant lui. Oh, j'y crois plus, je vais me suicider. Ah non. Je vais m'étrangler avec le fil du téléphone de l'entraîneur Philippe Bouvard. Non. Voilà. Non. Et si je peux pas y arriver, je vais m'assommer. Je vais m'assommer avec sa boîte de Kimmer. Allez. Non. Je veux mourir. Non, vous ne pouvez pas. Vous qui êtes un sportif de haut niveau. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Tenez, tirez-moi un coup de pétard en pleine gueule. Je veux mourir. Non. Dans les cas désespérés, on peut bien pratiquer l'anastasie. Oh. Je confisque. Regardez ce public. Il n'attend qu'un signe de vous. Ce public est là pour vous faire une ovation. C'est vrai. Mais ils sont là pour ça. Merci. Merci Thierry. Est-ce que... Regardez. Oui, mais j'ai vu. Regardez. C'est formidable. Regardez. Est-ce que vous pensez que je peux reprendre confiance? Mais vous pouvez recommencer votre carrière à zéro. Ah oui. Repartir. Et regardez. Je vais vous faire un petit cadeau. Oui. Voilà, je vous le fais de bon cœur. Oh, tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry, oui. Alors, si je m'emmerde au milieu d'un match, je pourrais l'écouter. Tout à fait, Jean-Mimi. Alors, mes supporters. Alors, la France. Vive la France. Ouais. Bravo. Alors, bravo. Puisque vous avez tous été très gentils, je vais vous donner ce que j'ai trouvé dans mon jardin ce matin. Allez, il y en aura pour tout le monde. Allez. Allez. C'est de la flouze. Merci à Sim et Thierry Roland d'avoir rendu hommage au sport qui le mérite. Le football ne mérite pas toujours ce qu'on en dit et je crois qu'il fallait que ce soit dit. En même temps, c'est un espoir donné aux jeunes qui prouve que le sport bien pratiqué peut enrichir. Madame Martin.